Dans la région de Kidal, située au nord du Mali, plus de 150 000 enfants ont repris le chemin de l'école après 5 années marquées par des conflits armés. Dans ce qui semble être un retour à la stabilité dans cette zone de quelque 30 000 habitants, ce sont au total 10 écoles qui ont rouvert leurs portes cette année. Et selon un récent rapport d'Amnesty International, plus de 500 écoles ont été fermées dans des régions où des groupes armés opèrent, mais les enfants vivant à Kidal ont été les plus touchés par ces fermetures. Parce que la place des enfants, c'est l'école. La place des enfants, ce n'est pas dans l'armée. La place des enfants, ce n'est pas dans la rue, c'est à l'école. Les élèves commencent à fréquenter l'école tous les jours. Et les inscriptions ne font qu'accroître du jour au lendemain. Pour de nombreux parents, cette réouverture des classes est synonyme de soulagement. C'est le cas chez cet élève de 14 ans, Mahmoud Ag Alassane, qui est retourné à l'école 4 ans après. Il n'avait que 9 ans quand il s'est enfui avec ses parents en Algérie lorsque le conflit a éclaté en 2012. Ils sont retournés à Kidal en 2015 suite à l'accord de paix signé entre l'Alliance des rebelles dirigée par les Touaregs et le gouvernement malien. Je suis soulagée de voir que nos enfants vont à l'école tous les jours. Cela les empêche de traîner dans les rues. Ils peuvent étudier pour se former et plus tard, ils pourront contribuer au développement de la région. En 2012, la rébellion Touareg avait pour but de créer un nouvel État appelé Azawad, mais a été détournée par des militants liés à Al-Qaïda qui se sont emparés des grandes villes dans le nord du Mali, tentant d'y établir la charia. La région de Kidal est le bastion de la coordination séparatiste des mouvements Azawad. Malgré la présence d'une mission de maintien de la paix issue des Nations Unies, les séparatistes continuent de multiplier les attaques.